Évidemment. Ah, vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés et ça fait à peine 2 jours que la partie 10 était en ligne. Bon, nous devons... Hop, chapitre 13, hein. Forteresse. Traverser les ruines d'Union pour atteindre l'hôtel du quartier des affaires. Alors, on s'y rend tout de suite. On perd pas de temps. Alors oui, bon, alors forcément, si je vais par là... Excusez-moi, faut que je me remette un petit peu dans le bain. Vous savez bien que je stream en parallèle l'excellent Judgment. Bon, on va essayer de terminer ce jeu, hein. Alors oui, maintenant, on voit le micro. Mais bon, hein, c'était un choix à prendre. Comment dirais-je? Ça nous permet d'avoir un meilleur son. Donc on voit un peu le micro. Avant je le reculais, voilà. Bon bah maintenant le micro est là. On entend très très bien. Donc alors oui, parce qu'on doit aller botter le cul à Théodore. Alors comment on va s'y rendre? Je vais passer par là. On n'a pas beaucoup de balles. Donc on va... Ah oui, donc oui, effectivement, là on peut même pas passer par là. C'est quoi ce... Oh bah lui, j'ai même pas vu. Bah il m'a pas vu non plus. Il m'a pas vu, on s'est pas vu. On se connaît pas. Comment je vais faire? Je regarde un petit coup la map là. Je suis là. Ouais, donc ça va pas du tout. Non, il faut que je passe par ici. Ou alors que je fasse complètement le tour, mais je pense que je peux pas. Y est pas, c'est Kayene peut pas. Ah merde. Il faut cliquer pour courir. Voilà. Ah mais merde, ah oui. J'ai eu peur que qu'on soit dans un cul-de-sac. Oui, vous êtes gâtés là, 23 h. On va lui à lui. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas envie de me faire chier. Pourquoi le fond vert merde comme ça là? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, hein, je bouine un peu sur mon PC. Là, il y a mon fond vert qui déconne. Ah, mais oui, je sais pourquoi. Oh, quelle tête en l'air! Quelle tête en l'air! Qu'est-ce que je peux tête en l'air? Bon, excusez-moi pour ce début de stream un petit peu laborieux, mais bon. Vous faites avance rapide, vous avez l'habitude maintenant. Tu t'avances rapide. En général, quand vous commencez un de mes streams, vous le savez bien, vous avancez de 10 minutes. Et puis on est au cœur de l'action, et puis voilà. Oh. Bon. Vraisemblablement, c'est ici, hein. Alors par contre, vous voyez, on a un petit cadavre, hein. Donc faudra pas qu'on oublie. Alors, je regarde quand même autour de moi parce que j'ai quand même besoin de looter un peu. Bah dis donc, il s'est passé plein de choses ici, hein. Hein, il y a eu de la vendetta. Ouais, on doit aller se rendre, hein. Vous voyez, c'est magnifique à cette tour qui me fait penser à Final Fantasy un petit peu parce que j'y ai joué. Toujours pas terminé d'ailleurs, hein. Toujours pas terminé le dernier boss. C'est très très... Ouais, non, non, tu vas rien purifier du tout. Moi, je rentre là-dedans, c'est terminé. Ok. Hoffman, l'hôtel est sécurisé. Vous avez terminé vos réglages? Je suis un peu plus prête. Ok, je vous envoie les coordonnées. Bon, bah, envoie-nous les coordonnées. Ah, bah, elle est déjà là. Avec son truc qu'on met dans les... Bien, dans les voilà. Fesses. Qu'est-ce que c'est? C'est un stabilisateur de champ portable. C'est un stabilisateur d'anus. Il a dû travailler dessus avant que Théodore ne le transforme. Il crée une petite zone de stabilisation qui devrait vous protéger du feu. Petite, c'est-à-dire? Sa circonférence est proche de celle d'une planque. C'est donc suffisant pour me protéger. Très bien. Très bien. Comment ça fonctionne? C'est là que ça se corse. Il s'agit d'un prototype. Il est donc légèrement capricieux. Il faut que je sois aux commandes. Vous voulez sûrement pas qu'il tombe en panne au beau milieu de l'enceinte de flammes? Non. Je ne vous laisserai pas venir avec moi. C'est trop dangereux. Mais elle a pas dit ça. Que de rester ici si vous parvenez pas à entrer. Et puis j'en ai marre de me cacher. Notre seule chance d'y arriver, c'est de collaborer. Et pourquoi il a toujours la radio vu qu'elle est là? Et si vous aviez besoin d'une psychanalyse d'urgence, qui vous aidera, hein? Vous avez toujours Ma les mère. Mots pour me convaincre, Hoffman.
Évidemment. Je suis la psychologue de l'équipe. Ça, on peut pas vous l'enlever. Vous voulez sans doute vous préparer. Dites-moi quand vous serez prêt. Oui, j'aimerais bien changer de slip. Pourquoi il a la radio toujours à la main? Hoffman est là. Il est complètement fou. T'as pas besoin de lui parler à la radio vu qu'elle est en face de toi. Attendez, c'est un bug, hein. Il a toujours la radio. Et je peux pas ramasser. Non mais c'est un bug, regardez. J'ai la radio, je ne peux pas looter. Je ne peux pas rentrer dans le... Oh mais mon dieu, le jeu est encore buggé. Putain. Bon bah... Non mais voilà, c'est le troisième bug que nous avons, hein, c'est... Bon bah très bien. Allez, je charge vite fait, là j'ai pas besoin de déconnecter. Charger la partie. J'en suis désolé. Là je vois que sur le chat ça hurle, mais là... excusez-moi, mais c'est pas vraiment de... C'est pas vraiment de mon ressort. Le jeu bug. La dernière fois, il y a eu une collision avec un manant, un clochebot zombie. Hop, le jeu a frisé. Bon. Je bouge pas. L'hôtel est sécurisé. Vous avez terminé vos réglages? Je suis un peu plus prête. Ok, je vous envoie les coordonnées. Ah ben voilà, là, il range la radio. C'est foufou, hein. La vie, hein, parfois. Bonjour, fais pas la blague que ça se met dans l'anus. Bien, le voilà. Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est? C'est un stabilisateur de champ portable. O'Neill a dû travailler dessus avant que Théodore ne le transforme. Il crée une petite zone de stabilisation qui devrait vous protéger du feu. Petite, c'est-à-dire? Sa circonférence est proche de celle d'une planque. C'est donc suffisant pour me protéger. Celle d'une planque? Comment ça fonctionne? C'est là que ça se corse. Il s'agit d'un prototype. Ça se met dans l'anus. Légèrement capricieux. Oh, j'avais envie de la faire. Vous voulez sûrement pas qu'il tombe en panne au beau milieu de l'enceinte de flammes. Je ne vous laisserai pas venir avec moi. Ça va. C'est trop dangereux. Aussi dangereux que de rester ici si vous parvenez pas à entrer. Et puis j'en ai marre de me cacher. Moi aussi. Notre seule chance d'y arriver, c'est de collaborer. Oui. C'est la seule manière de sauver Lily. Faut collaborer avec le Troisième Reich. J'ai besoin d'une psychanalyse. Je l'ai toujours dit. Qui vous aidera, hein? Vous avez toujours les mots pour me convaincre, Hoffman. Évidemment. Je suis la psychologue de l'équipe. Ça, on peut pas vous l'enlever. Vous voulez sans doute vous préparer. Dites-moi quand vous serez prêt. Alors, je refais pas ma blague, hein. Concernant que je veux mettre mon slip. Parlez à Hoffman pour partir vers la forteresse... de Théodore. Alors. Ok. Alors, ça sent comme ça la fin du jeu, mais pas du tout, hein. Il reste encore quelques chapitres. Je crois qu'il y en a 17. Alors, journal de Hoffman. L'écriture de ce journal est difficile à déchiffrer, mais à force d'efforts, vous parvenez à décrypter la dernière entrée. La transformation de Liam était horrible, mais fascinante. Elle dépassait de loin la programmation neurolinguistique. Les paroles de Théodore ne se sont pas contentées d'influencer Liam, elles l'ont physiquement transformée. Pas étonnant que Théodore désire contrôler STEM. Cette machine lui permet d'amplifier l'influence déjà incroyable qu'il a sur les gens. Les choses qu'il arrive à faire ici. Sébastien n'est pas aussi faible que Liam, mais il souffre toujours d'un traumatisme latent. Théodore essaiera d'utiliser ses nouvelles aptitudes pour briser Sébastien. J'espère simplement qu'il est assez fort pour y rester. Bon, et ben là, nous voilà prévenus. Si j'en fais trop, vous le dites aussi. Hein, dans les... Pourquoi là, il y a quelqu'un qui m'entend? Ce jeu bug. Hein. Ce jeu bug. Bon, pourquoi pas. Hein. Combien on a de... Quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Maintenir? Enfoncer? Pourquoi? Oui, là, quand je suis devant le miroir. Mais là, il me le demande alors que je suis même pas devant le miroir. Oh là là. Dites-moi, si l'image de ça vous gêne vraiment, vous me le dites, hein, on s'arrangera. Vous me le dites dans les commentaires. On va mettre un petit coup de botte là-dedans parce que j'ai remarqué que ça nous donne un petit peu de la gerbe d'or. Bah non, des fusibles. Allez. Hop. C'était censé nous faire peur.
C'est une tête. Ouais, d'accord. Ok, bon. Mettra ça sur le compte de l'émotion. Oh, ben là, putain. Et alors là, j'imagine qu'il y a de l'easter egg. Hein. Y a pas mes livres? Y a pas mes romans? Non. Non. Alors, faut parler à Hoffman, d'accord. Ça, on le sait. Oui, on regarde vite fait combien on a. On a 8600, 320 pièces détachées. On va aller subgrader un petit coup. Non, on parle Hoffman. Ça y est, vous êtes prêts? Non, allez, non, mais... Ok, mais tardons pas trop. J'ai pas envie de faire de conneries, genre de faire le malin d'y aller tout de suite, et puis de le regretter. Donc on va aller se construire 2-3 petites armes. Je suis désolé, il y a un petit peu de menuing au début. Je vous ai dit... Vous voulez toujours tout de suite le dessert, alors qu'il faut l'entrée. Toujours au début de partie, on est bien obligé, hein, messieurs là, messieurs dames, on est bien obligé de sauvegarder un petit peu. Il veut 480. Putain, j'ai, pardon, merdouille, j'ai pas assez. Cadence de tir, bon, ça on s'en fiche. Ça peut être pas mal, notamment le carreau explosif. Voilà, on le mettrait bien à 160. Voilà, très bien. Le harpon. Ah, il veut 240. Enfoiré. Le carreau immobilisant. Zone d'effet plus importante. Allez, on le fait. Voilà. Très bien. La fabrication, hein, parce que c'est pas tout. Il nous faut du pompe, hein. Vous êtes d'accord? On peut en faire que 3. Ah bah d'accord. Bon bah d'accord. Bravo. Je crois pas qu'on ait que vous me le dites, hein, dans le chat, mais je crois pas que l'on ait eu de. On devrait arrêter de se voir autant, inspecteur. Dis donc. Toujours aussi coquine, Tatania. Je crois pas qu'on ait de clé, hein. Non, on n'a pas ça. Donc on va se subgrader un peu le brain, comme disent les anglophones. On a 8600. Je me mettrais bien un peu d'agilité. Genre les réflexes 2. Probabilité supérieure d'éviter automatiquement une attaque. Ah mais c'est 10 000. Bon, regardons déjà ce qu'on peut s'acheter. Je crois que ça va faire comme la dernière fois. On va rien pouvoir s'acheter. Non, tout va être... Ah, 7500. Stabilité 3. Stabilise encore plus efficacement votre réticule lorsque vous tirez. Allez hop. Moi, j'avais l'impression que c'était que ça allait, mais bon, hein, avec le pistolet. Allez, on se casse. Je vous embête pas plus. Je vous embête pas plus. Ah, il y a le chat qui miaule. Peut-être qu'il a du petit liquide. Je sais plus si on a récupéré une diapo. Quand il miaule, en général, c'est qu'on a une diapo. Hein. Et je vous promets, après, on va dans la tour. Soyez un peu patient, la joie, là. Oh là là, ça se bat sur le... Non, on n'a pas de diapo. Ça se bat sur le chat, là, je vois que mes modérateurs... Oh là là, là, c'est la guerre. Courage, les gars. Bon, en même temps, au prix que je les paye, c'est leur travail aussi. Hein. Bon, bah, on est prêt. Hoffman. Mais je vous préviens, faut m'aider pour mettre ça dans mon cul. Hein. Ça y est, vous êtes prêt? Pour sûr d'y arriver tout seul, hein, même avec une très très bonne crème. C'est bon, Hoffman. Allons-y. Ok. Je vous suis. Salut, Aurore. Salut. Hello, my friend. Hey, how it's... fonctionner d'ici. Attends, wait a second. Il va nous protéger du feu, mais il n'empêchera pas les créatures là-dedans de vouloir nous tuer. Pas de soucis, j'en fais mon affaire. Allez, je croise les doigts. I'm fine, I'm very fine, just I have to focus a little. I have to follow this girl. Faites attention à pas sortir du dôme. Allons-y. Je ne vois rien avec toutes ces flammes. Surveillez ces créatures et suivez-moi. The sound is good. Can you hear me well? Tell me if the sound of the game is too much or not.
En équipe. Sound okay to me. Ok, perfect. Je dois les geler. I have to frozen them and after to shoot on them. C'est votre job de le faire pour moi. Très juste. Ils sont partout. Oh merde. Oh my god. Allez, dépêchez-vous. Je sais pas combien de temps ce truc va encore tenir. Ok. It's not bad. Ok. If the zone is good, it's good for me too. Ok. Sniper always very efficient. Yesterday I progressed on Fatal Frame 3. Ça semble bien plus long une fois à l'intérieur. Il se démène pour nous empêcher d'entrer. I did a new chapter. Ça signifie bien qu'il nous craint. I pass a new chapter, sorry. Ne baissez pas les bras. Nous y sommes presque. Attendez. Le stabilisateur est déréglé. Vous pouvez le réparer? J'y travaille. Ouvrez-moi. Ok. Je vous avais bien dit qu'il était capricieux. I read your question. Wait a second. Shit. Voilà. Sorry. How far are you in? I think I'm. Near the end. I'm chapter. Vous regrettez déjà d'être venu? C'est l'occasion pour moi de me racheter pour. Four chapter left, I et think. À tous ceux que j'ai fait three or four. Donc non, je ne regrette rien. I'm with K again. I play K. So I think it's just three chapter left. Mais merde, mine. Oula, voilà. I need to heal myself. Vous allez bien, Hoffman? Oh, I'm dead. Putain. In English, we say shit. Nice. The end is hard. Oh, thank you. Oh my god. Yeah, I did the break. But now I'm back with on Fatal Frame. T'es déjà d'être venu. C'est l'occasion pour moi de me racheter pour ce que j'ai fait à Lily et à tous ceux que j'ai fait entrer dans le STEM. Donc non, je ne regrette rien. I have to cross this land, this field with this girl, Hoffman. But as you can see, there are some shit enemies. Ah oui, ça va. Oh my god. I'm not focus. Je suis pas concentré là. Oui, j'ai un ami du Colorado qui vient me parler, alors je parle un petit peu anglais. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont surpris par mon accent, mais bon.
Mais alors, ce qu'il faudrait, c'est que je me soigne direct d'emblée. Et que je prenne... Alors, qu'est-ce que je peux fabriquer? Balle de précision. Ah, c'est tout. Oui, j'ai un ami du Colorado, voilà. C'est l'occasion pour moi de me racheter pour ce que j'ai fait à Lily. Et à tous ceux que j'ai fait entrer dans le STEM. Donc soyez, non, soyez pas jaloux. Je ne regrette rien. Bon, je vais gagner une seringue médicale. Voilà. Merde. Normalement, ah, j'ai la bouteille, c'est cool. Putain, ça me gonfle. Vous allez bien, Hoffman? I have not enough ammo. J'ai pas assez de balles. Qu'est-ce que j'ai comme carreau que je pourrais utiliser? J'en ai deux. J'espère que ça va le faire. Putain, j'ai mon fond vert qui merde complètement là, à cause de la lumière du feu. Ça brûle. Pas le choix, il faut dire. Hoffman, qu'est-ce qui se passe? Il déconne encore. Attendez! Dépêchez-vous, il commence à faire chaud. Là. Ok. C'est bon, je gère. Ah. Cinématique. Bon, c'était pas si simple, hein. J'avais pas beaucoup de balles. J'aurais dû les geler, mais j'avais pas assez de... C'est bon. On doit y aller. Tout de suite. J'avais pas assez de... d'arpon qui glace. Courez. Je les aime pas, ces ennemis-là, en feu. On y est presque. Espèce de golem. Pas très fan. Ah bah voilà, bravo. Ah bah bravo. Hoffman. 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 Allez-y. Sauvez Lily. Ah merde. Hoffman, non. Ah merde, merde, merde. Ah Hoffman. À mon avis, Hoffman... elle va être beaucoup moins efficace maintenant dans ses thérapies. Bon. Faut relativiser, faut être pragmatique. Nous, ce qui nous intéresse, in fine, c'est Lily. Je suis désolé, Yukiko. Il va nous payer. Je vous promets. J'ai reçu un trophée, chapitre 14. Reste plus que 3 chapitres. Après tout ça, il ne reste plus que moi. Mais il ne m'arrêtera pas. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, comme ça c'est fait. Bon, on retrouve un peu l'ambiance Evil Within, enfin. Après 14 chapitres, il serait peut-être temps. On n'est pas dans un labo, on n'est pas dans une merde. On n'est pas dans un sous-sol, on n'est pas dans un garage. On n'est pas dans une ville. Bon, je loot, hein, je loot. Euh,
Are you still here, my friend? I feel so alone these days. Je demande à mon ami du Colorado s'il est toujours là pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Shakespeare. Ah. Il est toujours là. He's still here. Thank you. I need your energy. You have good vibes. Sorry, I need to speak in French. I need to read this shit. Écriture de Théodore 1. Cette ville, Union, a un potentiel incroyable. Et Mobius le gâche. Ils ne comprennent pas l'ampleur de ce qu'ils ont créé. Imaginez. Tout un monde de convertis, leurs souvenirs réécrits et reprogrammés, tous connectés à un esprit central, le noyau. Mes ordres. Voyageant à la vitesse de la pensée et acceptés sans réfléchir, je pourrais bâtir mon utopie spirituelle en quelques jours au lieu de plusieurs décennies. Thank you. And what is your name? What is your name? My name is Romain. You know Romain, like the Roman in Italy. Jules César. Julius César. My name is Romain. Romain. Very nice name. I'm proud of this shit name. Sin, yeah. Nice. Vous êtes revenu, Sébastien Castellanos. Ouais, mais cette fois la donne a changé. Vous ne m'échapperez pas. Ok, so we are chapter 14, and we have to find this shit man, Theodore. It's a shit priest. He tried to control this nightmare to be the master of this universe. Je suis en train d'expliquer à mon ami du Colorado que nous traquons Théodore, qui essaye de devenir le maître de ce cauchemar qu'est le STEM. Mais bon, les puristes ont traduit en temps réel, évidemment. Pronounce Sean. Lol. Weird Irish pronunciation. Ah, ok, no problem. Sean. It's okay. Sean. And I love so much Irish people. Great people, always. Alors, pochette améliorée. On passe à 120. Mais le fusil d'assaut n'aime pas ça. N'aime pas ça, le fusil d'assaut. Combien j'ai là? Est-ce que je peux m'upgrader? J'ai 3500. Et en pièces détachées, non, j'ai que 120. Ouais, il me reste pas grand chose. Hein. Yeah, Shawn, like Shawn Michaels. The great wrestler. À mon ami qu'il a le même nom que Shawn Michaels. Vous le connaissez tous, c'était un grand catcheur. Il a pris sa retraite, évidemment. C'était de ma génération. I like the classical music in here. Just now, in the video game? With the voice? With the voices? You never watch much wrestling? Ah, me when I was teenager, I was a huge fan. And still now, sometimes, I watch a match like this. I was a huge fan of Undertaker. And on YouTube, or maybe it's not on YouTube, you can find a very great documentary of the... Vous n'y arriverez jamais. Of on him. Comme la dernière fois que vous avez voulu la sauver. I tell you of that. Vous ne m'aurez pas. Yeah, on internet you can download the documentary about Undertaker
Even you don't like wrestling, it's so great documentary how it's hard to be a wrestler, how you have to hide your real personality, and The Undertaker, it's a mythical wrestler, so it's very interesting and sad at the same time because he suffered a lot, all his arms is broken, it's very difficult to have a match because he's old and he continue his career and finally stop. Very great good commentary in a 4 episode, I think, 4 or 6. I heard the drama in Eastering is interesting in WWE, yeah, indeed. Je suis en train d'expliquer à notre ami du Colorado qu'il y a un documentaire qui est exceptionnel sur l'Undertaker que je vous incite à télécharger. Il s'appelle The Last Ride et c'est à propos de je ne me rappelle plus du nom de l'Undertaker, son nom. Et c'est vraiment quelque chose à voir. C'est à propos de sa vie, il a toujours caché sa véritable identité, il est resté toujours ce personnage, l'Undertaker. Et je vous incite à le télécharger, hein. C'est vraiment très très bon documentaire, même si vous n'êtes pas fan de catch. Wrestler die young a lot, it seems like. Yeah, because a lot of different reasons. But the biggest one is because they took drugs. They take drugs, sadly. And their wounds and their they break all their body. It's not very good to jump like that. Okay, so what I can do? Me, I want to frozen them. Moi, je veux les merde. On va se faire un carreau immobilisant. Voilà, deux. Très bien. Du fusil à pompe, on a besoin. Voilà. Ok. Oh putain, mais... Really, I play like shit. Oh, my luck. Oh my god, I'm so stupid. And he beat me. Oh la 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 la. Why I didn't take the shotgun? Oh. Ah, here. Come here, shit face. Peut-être qu'il y en a un autre que je peux utiliser. Oh putain. Je joue mal, hein. Je suis désolé. J'ai le sentiment qu'ils viennent... Putain. Oh là 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 là. Ouais, on a compris. We understand. We get it. Give me your energy, Sean. I'm playing so bad. Why I do that? What is it? Ah, yeah. Allez. Yes. Finally. When they are frozen. Ah, yeah, but I had to do this before. It's a little late. It was a little late. Bon, je loot. Ouais, il fallait que je les. Bon, je vais aller regarder ce qu'il y a là-bas.
I am going to go there. On the right. I prepare my... Wait, I was sure. Where are you, shitface? I'm full. Okay. Okay. Ah yeah. I reload, so I took one more. Take my gun. Ah, good news. But where am I going? It's a maze. C'est un labyrinthe ici là. Que ce bordel. Bouteille en plus. But you see, Sean, now the game looks more than the first. This it's more Evil Within. The first was great like that. It's not really great just now, but it's more the atmosphere of the first. Nightmare. C'est vrai que là ça ressemble beaucoup plus au premier Evil Within. Avec un côté un peu industriel. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à gauche? Là je tourne en rond ou alors je dois aller tout droit? Non, je dois aller à gauche, je pense. Ouais, ouais. Seems less open world right now. Yes, and I prefer, in fact. The open world was a good idea, but finally no. Not for survival horror. Finally. Okay. Oh, but I know, it's okay. I can shoot here and... come here. Je dois les ramener ici, puis je vais les geler. I have to bring them here and it's done. Well, maybe they cannot see me, and it's okay. But I didn't look. I opened something. What it was for? I did that. This. I don't remember. It opened a door. A door opened. A door has been opened. I don't know to say in English. My English is not very good. I know you can understand the global meaning, but I know I'm not very good. It's a shame, little. But it's like that. It's not very important. My God, I lose my time. I don't know what to do, where to go. Allez, follow me. Voilà, follow me. They don't follow me? Oh, putain. Choisis le mauvais cheval là. J'ai ouvert quelque chose, mais je sais pas. J'ai pas vu ce que j'avais ouvert. Alors c'est un peu idiot. Did you see, Sean, what was open when I moved the bark knuckle?
here. Oh my god, I'm stupid. I didn't see the stairs. Je suis complètement con, j'ai pas vu qu'il y avait un escalier. Aidez-moi, Jérémy, les griffes de Mira. Donnez-moi la puissance du noyau. It's here. Pourquoi est-ce que tout le monde veut contrôler Union? Cette ville n'est même pas réelle. Union dépasse la réalité. Union, c'est Mobius. Leurs esprits y sont connectés. Contrôler Union, c'est les contrôler tous. Les contrôler tous, c'est contrôler le monde. Si vous pensez que je vais aider un connard dans votre genre à contrôler des connards dans leur genre, vous êtes encore plus perché que je le pensais. Ouais, il est un petit peu vulgaire. Il est un petit peu vulgaire. He's a little... my character is rude. And if you want my opinion... It's not a good choice. It was not a good choice. To make a character so rude like that. It's not useful. It's just stupid. Nobody react like that in this situation to be rude. Just, you know, like in Dead Space, they said nothing. They are afraid and they don't react. It's more than a comedy after. It's why I like Dead Space and Resident Evil 7. It's more serious. My god, it's a maze, huh? Of course, no map, j'ai pas de carte. Still need to play Dead Space. Ah, oh my god, you never play Dead Space. Mon ami du Colorado n'a jamais joué à Dead Space. Mon dieu. Mein god has said German people. You have to play it. It's one of the best survival horror with Resident Evil 4. Yeah, really. Dead Space is even better than Evil Within 1. Yeah, Dead Space, it's so great. Character never speak. And I don't know if now it's still efficient, but very great game. Écriture de Théodore 2. Quand je serai devenu le noyau et que j'aurai construit ce nouveau monde à mon image, la réalité suivra vite. Mobius est déjà implanté dans toutes les couches de la société et ils ont été assez bêtes pour s'implanter des bombes à retardement dans la tête. Ils se prennent pour des loups et considèrent les autres comme des agneaux, mais le berger c'est moi et je m'apprête à abattre le loup dès qu'il aura le dos tourné. Lorsque Dunan sera sous mon emprise, les jours de Mobius seront comptés. Ah, it's another paper of bullshit. It's even not interesting. I'm very disappointed by this game. The gameplay is great, but the story, my god, fuck it. Okay, we can save here. Science fiction horror is great usually. Yeah, no, really, Dead Space. I don't know if on PlayStation 3 it's still good looking, but we don't care. The gameplay is so enjoyable, and it's a very good game. Yeah, I love so much. Just after Resident Evil 4, Dead Space, the first. The second is not bad, but the first is very great. Okay, bon là j'ai le chat qui miaule. Mais j'ai pas de nouvelles diapositives. Je vais aller faire quelques petites douilles. J'ai combien? J'ai 185, c'est toujours pareil, je peux rien faire. Peut-être le taux de chargement. Augmente la vitesse de marche tout en visant. Ok. Cadence de tir. Non, je préfère le shotgun. Temps de rechargement, on l'a foutu à fond. Non, mais on va essayer d'avoir... Et ben voilà, 140. Voilà. Now I can have 7 ammo inside my shotgun.
Maintenant, j'ai, oui, voilà, je peux avoir 7, 7 douilles dans le shotgun, ce qui est pas du luxe. Carreau explosif, j'en ai. Je peux me faire... Bah, moi, j'aime bien le shotgun. Allez, hop. Et on va se faire un carreau explosif. Ou un carreau immobilisant. Allez, voilà. Et on va se faire une trousse de secours. Voilà, on est bien, on est bien, on est bien. Et non, bah, fusil d'assaut, on s'en fiche. Et combien j'ai là de gel? J'ai 5000. Allez, on peut voir, on va essayer. I upgrade my character. On dirait que vous avez besoin d'un coup de main, inspecteur. Oh, Tatania, shut up, please. Non, j'ai pas de clé. Toujours pareil. Tatania, it's a nurse and always she said to me a little bullshit. In the first video game, Evil Within 1, it was interesting, but in the second, she's here, but we don't know why she's here. Just for the fan. It's a fan service. Ok, pop, pop, pop. J'ai 5000. Qu'est-ce que je peux faire? Les attaques au corps à corps, notamment au couteau et à la hache, infligent plus de dégâts. Don't have enough. Ah, gagner la capacité à étourdir les ennemis à distance ne fonctionne pas pour tous les ennemis. Détail de l'aptitude. Chasser, coup de pied. Lorsque l'icône du coup de pied est affichée, vous pouvez repousser certains ennemis étourdis en leur plaçant un coup de pied. Une icône, oui. I take this. Great. Does the first one have skill upgrade too? On Dead Space? Yeah. You have an you upgrade. It's another way to upgrade, but yeah, you upgrade. And it's very nice. And you cannot upgrade often. So when you go to upgrade, you are very happy. You, in fact, you have, if I remember well, you have to find some gear, piece of gear, and you put on the, it looks like Evil Within, but you upgrade little part, and it's very enjoyable. Ok, bon, on retourne. Je suis en train d'expliquer à mon ami du Colorado, Sean, que dans The Dead Space, on upgradait aussi son personnage et que c'était très 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 agréable. Parce que c'était rare qu'on puisse le faire, de trouver des pièces. At the same time, I translate what I tell you. Ok. Allez, on est bien là. Allez, on continue. Hein. Là, une petite sauvegarde. Ah. Ammo from the sky. Ah, ok. I know why. Et voilà. Comme dans le premier. Non, j'essaie de... Bon, normalement... Shit. Oh, Mimil, I need to reload. I play bad. Is it not dead? Putain, mais non. Today already it's not my day. J'aurais dû le geler. I had to frozen him. Yeah, but no, I play bad. I had to frozen him and I didn't do. Oh my god. I play bad. I panic. I take wrong decision.
Oh, and I don't reload. I have a... Oh my god! Already... Even I can reload. Je joue mal, c'est parce que je suis impressionné, je suis quelqu'un d'un petit peu timide et puis là j'ai mon copain du Colorado qui est là, alors et I have no ammo at all, it's finished. Ok, I go there. Allez, hurry up, vite. Yeah, it's cool. The idea is good. The idea is not bad. If I can build another one, no, I can't. I have no ammo. I play very bad, so now I'm stuck. Make me thinking of Terminator 2, yeah, completely. With a T1. Oh my god. He's dead. Now he's dead. How many there are? And I even don't know where to go. Ah là là, c'est l'enfer. It's hell. J'ai ouvert ça, mais pourquoi? I don't know where to go. Ok. Ok, so I cannot go there. But I have no ammo at all. Just this shit. Ok. Yeah, T is 1000, not 100. Mais il est où le levier? Putain. Yeah, I can kill. Ah, I see something. Ah, voilà! Je suis pas si aveugle. Ah, now it's closed. Ouais, and why? Et pourquoi j'ai fait ça? Mon dieu. Ah, okay. I cannot with my knife. Oh la 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 la. I hope it works. Yeah. J'espère que ça marche. Et oui, ça marche. Bon, je joue mal aujourd'hui, hein. Je suis vraiment désolé. Il y a un peu de fatigue. J'ai perdu toutes mes balles. Je sais pas. I have no ammo. J'ai juste
Oh, a save here. Une petite sauvegarde. Allez. Ok. What is this shit? Putain. Putain, mais c'est dur, hein. I play very bad. I stress and since the beginning I lose a lot of my God. I will die, I think. Ouh, ça m'énerve. J'ai chaud. I'm warm. You see my Bloodborne t-shirt? Ah, vous êtes gâtés, hein. Avec mon petit t-shirt là, Bloodborne. Je sais que ça vous laisse pas indifférent, hein. Vous, les vrais joueurs. Bon, on va essayer de jouer mieux. We will try to play better. Allez. Try to focus. Like that. I hope the sound is great. Well, up like this. It's okay. We'll try. Alors, so. No ammo. Fumigen. Yeah, I have nothing. So. And I can bolt. Nothing. Okay, great. I'm neck. Je suis nu. Donc on va garder ça. I'm behind in terms of modern games. Yeah, me too. Ah, we cannot beat it when it... Ah, oh, putain, mais c'est pas vrai, je joue mal. I play very bad and I was dead, my God. Forest, run forest. Je vous offre une dernière chance de rejoindre le camp des vainqueurs de l'histoire. Je suis sauvé par la sauvegarde. Sinon, vous resterez empêtré dans vos propres tourments. Je ne ferai jamais affaire avec vous, l'ami. Yeah, run forest, run. We have this joke in France too. Cours, forest, cours. I think in all countries, sorry. Bon, bah c'était merdique, hein. J'ai vraiment joué merdiquement. I played so bad. Really, I'm ashamed. I wonder if... And I cannot... very fast.
Vite, je me fais des munitions. Verify it. I built ammo. If I can. Even not sure I can. Just four. Ouais. Ouais, it's not. C'est pas terrible. It's not great. So I was the only one who still made that joke. No. In France, a lot of people do this joke. Even me. Run for it, run. Oh. Yeah. You are not alone, Sean. Be sure. He wants to kill my wife. Pas si je vous tue avant. Et pourquoi les choses sont-elles différentes cette fois? Je reviendrai à la charge tant que l'amour ne sera pas mort. Alors venez à moi. Que le carnage commence. I hope it's not a boss fight. I'm not ready at all. J'ai peur que ça soit un combat de boss et je suis pas du tout prêt. I'm not ready at all. Even not 1%. I have nothing. Oh my god. Mon dieu. Bon, on va essayer de faire au mieux, hein, vous savez. Vous me connaissez maintenant. Ah, this it can be in fire, I think. Ah, non, nothing. Just blood. Il y a juste du sang là. Bon, qu'est-ce qu'on peut se fabriquer, pardon. On peut se fabriquer peut-être quelque chose. Carreau explosif, c'est toujours pas mal. Hein. One ammo. Ouais, ah, another one. Ok. Allez. Ok, we go. On y va. Yeah, it's a boss fight. Oh my god, not ready. It's Théodore. C'est lui Théodore, cet enculé. Rends-nous Lily. Très bien, si vous désirez goûter au désespoir, alors du désespoir, je vais vous donner. You got this. We will see. C'est toi qui as fait ça, papa. It's my daughter, Lily. Tu ne m'as pas sauvée. Always she complains. I'm his father. Ah. Oh, tout stop. Va bien, mon ange. Je vais tout réparer. Oui, on va tout réparer. Lily. Je t'aime tant, ma Lily. Théodore est jaloux, of course. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. Et cette fois, je vais te sauver. Je te le promets. Oh, Lily. Where are you? Elle est où, Lily? Vous avez évacué une partie de votre culpabilité et de votre douleur. Mais la profondeur de vos traumatismes passés est vaste. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur vous. Je sais ce que vous cachez au plus profond. Votre profond puits de peur me donne toutes les armes. Vous avez vu tant d'horreurs, et elles hantent toujours dans vos souvenirs. Souvenez-vous, tout cela a commencé. I don't have to translate, it's bullshit. As in bad movies, you know?
Alors des flashbacks du premier. Moi je disais à mon ami que j'ai pas besoin de traduire, c'est que de tout vous revient en mémoire. Ah. The Chainsaw. Cours Forest, cours. Run, run, run. Pas cette fois. Pas cette fois. Not this time. Il en a marre là, Sébastien. Ah, si on a une tronçonneuse, c'est bien. Je pense pouvoir m'arrêter. Allez. C'est un bon surgeon. Yeah, yeah, I don't have to go to Texas to see that, yeah. Great movie. Texas Chainsaw. I have the figure just here. Very big one of Leatherface. Oh my god, he's here. Yeah, okay, I run away, but it's a tactic. I know where I am. Oula, oula, oula. What, I have to do something when it's like this? Come here. I think I lose my... Oh no, I lose nothing. Ah, he's dead. Not bad, not bad. This time it was not bad. Yeah, but I have nothing to beat him now. Okay. Mais merde! Oh my god, no, no, it's not fair! How many there are? I cannot go, I can run away!
I need ammo. My god, I need to build something. Car fumigen. I have nothing. What I can do? Normally the game have to give me another ammo. Ah, here. Come. Okay. Yeah. Fuck you. Not too bad. C'était pas trop mal. N'était pas trop difficile. It was more hard in the other. Oh my god. C'est pas fini. Oh là là. J'étais déjà réduite en cendres. Et je recommencerai. Oui, un chien. Merde, I was sure there's something to loot, but no. Allez! I have to understand what I have to do. Je dois comprendre ce que je dois faire, mais c'est pas gagné. Gnarly, what does it mean, gnarly? J'étais déjà réduit en cendres, mais je recommencerai. I have to do, my god. Something with the other ear. I get it. Oh my god, okay, I get it. But it's too late. I hate when it's like this, you know, when it's time and it's not interesting, really. Now this one is okay.
Montréal. Merde, she's not here. Ok. Allez. Yeah. Finally. Alors, Théodore. Qu'est-ce que vous êtes? C'est tout ce que vous avez. A new enemy more dangerous than Theodore. Like that. My own wife. Ma propre femme. Mira. Mira, qu'est-ce que tu as fait? Elle doit rester en sécurité. Oui, bah, je suis pas sûr qu'elle soit en sécurité avec toi. Je protégerai Lily de quiconque veut me l'enlever. Tu as réussi. Théodore est mort. Rentrons chez nous. Go back home, he said. Non! Oh! Mira! Le pouvoir du noyau m'appartient. Oh! George Floyd! George Floyd is dead again. Yeah, but he attacked Mira. Où est-elle? Allons la chercher et quittons cet endroit. Bon bah voilà, on progresse, mais bon c'est vraiment pas terrible, je suis désolé de le dire, mais le petit Théo qui se fait tuer, après Mira qui est finalement l'ennemi du jeu, enfin, moi ils m'ont perdu hein. Plus professionnel là comme ça. C'est un petit peu plus professionnel comme ça, voilà. Tell me Sean if the sound is all still good, if I need to put the mic more near me or not. I prefer when on the camera we don't see the mic, but maybe I'm too far. Je demande à mon ami si je dois déplacer le micro, si on m'entend toujours bien ou pas. Oh non. Alors là on est dans un monde éthéré. Il ne reste presque plus rien de cette ville. Chapitre 15. Faire, Mira. Chercher Mira. Ok. Tu peux m'entendre. Very good. It's more nice like this without the mic and complete aid. It's very important for me. Everybody can see my head. Look that. Regardez-moi ça. Là ouais. What's happened here? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors j'ai plus de balles, j'ai plus rien. No ammo. Je suis tout nu. I'm naked. Completely naked. Ouais, d'accord. Hey oh, move a little.
Don't let me alone. Ne me laissez pas seul. Ok, I'm alone. Oula. Ça va, Sébastien? Bon sang. Mira. Où es-tu parti? You want to know where is Mira, his wife. Where are you gone? He said. With my Lily. My little daughter. C'est vrai, où est Lily? Où est Mira? Qu'est-ce que vous avez foutu là, là? Ah, ok. Peut-être par ici. Maybe here. Yeah, I think. My torchlight, ma petite lampe torche. Qu'est-ce que c'est? What is it? Prepare to the jump scare. Ah non. Mira. C'est fini. Allons chercher Lily et quittons cet endroit avant d'y rester coincé à tout jamais. Nous pouvons reformer notre famille. Je t'en prie. Je sais que tu peux m'entendre. Tu dois m'écouter! Mira! Mira! Qu'est-ce qui se passe? What's happened, Mira? Tu dois résister! Allez, résiste! Il faut que tu existes! Je ne peux pas! Je dois protéger Lily! Tu l'as déjà fait. Stefano ne peut plus rien lui faire. Théodore non plus. Ils sont morts. Oui. Oui. Bien. Attends. Sébastien, tout de suite. Allez. Non. Je ne vous laisserai pas ici, Lily et toi. Le dernier combat sera contre ma femme, j'en ai bien peur. Contre Mira. Mira. Mais merde, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? The last fight will be with Mira, of course. In fact, it's a drama. Suivez Mira dans les ruines d'Union. I have to follow her. Je dois la suivre. Ah, a new sniper? Ah non, c'est des balles. Ok. Ok. On va aller voir si on peut sauvegarder un peu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Et voilà. Bon. Je vais aller m'upgrader un petit coup. Parce que là... on n'a vraiment plus rien. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? On a rien du tout. On a 60. Fabrication. Bon, les carreaux. J'ai combien? 10. Je peux en faire 3. Et des cartouches de pompe. Je peux en faire 2. Et des balles de pistolet. Je peux en faire 5. Ah, bravo. Et je peux en faire une. Non, on va faire les carreaux explosifs. On va faire un carreau explosif. Truc fumigène, j'en ai rien à foutre.
Cartouche de fusée à pompe. Voilà. Parce qu'il en demande 5. Putain, c'est 5 pour le cartouche de fusée à pompe. Putain, mais c'est très très cher. It's very expensive to make ammo for the shotgun. 5 powder of cocaine. But for caro explosive, as you can see, it's just 2. Ok, so I have no choice. J'ai pas le choix. On va les sauvegrader un coup. Faudrait qu'on boise du café. Pour se remettre de la vie. On devrait arrêter de se voir autant, inspecteur. Dis donc. Coquine. Bon, j'ai toujours pas de clé. Qu'est-ce que je peux upgrader là? Au niveau de la récupération, je suis à... j'ai que 3400, hein, je peux rien faire. Là, à mon avis, on est bloqué là. 8000. 8000. 6000. Non. I can't do anything. I cannot do. Nothing is available. I have just 3450. J'ai pas assez, malheureusement. Tout est trop cher. Your shop is too much expensive, Tatania. On Google Maps, I will say it's a shit shop. And on Twitter too. Bon, bah on y va. Hein. Here we go. Ah, you see here? What I see? Petite plante. Ok. Faut pas qu'on l'oublie. Petite plante. Hop là. Mira! Mira! Oh. But I'm not afraid by you. Ok. À tout, plainte. Faut que je me débarrasse de ces créatures. Peut-être qu'ensuite je pourrai la rattraper. Dead. My god. Why is... Mais putain, non mais non, 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 non. Eh là là là, chargé, parti. Sorry, but... Bother me. Sorry, but... Non, non, non. Shotgun, I miss this... I don't have any ammo. It's not possible. Sorry. Ah, je suis désolé, là, je... Là, ça m'a gonflé. Là. Voilà. Ok. Feel better. Me, I feel. Merde, putain. Il move. Oh, reload. He's not still not dead. Go fuck yourself. Go fuck yourself. I beat you with my kill you, fuck you. I have 5 bottles, j'ai 5 bouteilles, j'en ai rien à foutre. Je te pète la gueule. Ah, I'm dead.
Ah, c'est pas du beau jeu, je sais, je vois bien dans le chat, je reçois plein de messages, d'insultes. Oh. Je vous ai trop gâté avant, et puis maintenant, ça y est. Ça y est, on me déteste. On est populaire, et puis après, le jour d'après... Oh, mais... Oh, non, 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 non. Normally, I can stab him. It's completely unfair about the... Completely unfair, really. Normally, you can stab him. Normalement, on peut le poignarder. Hein. Et là, le truc a disparu. Allez, viens là, come here. We can stab the... Oula. Go fuck yourself. Oh, he's not dead. Eh putain! Fuck. Voilà. They're not dead. Oh my god, they are very strong. No. Look my head. I have one. I have one here. No. And the other disappear. Je pas aller trop loin. You see, it's not a good game. The other disappear because of the cinematic, the trigger. Il y en a un qui a disparu juste parce que j'ai déclenché la cinématique. Et j'avais le carreau dans la tête. Bah bravo. Ah. Ici, il y avait plein de munitions. Ah. Bon, moi, j'ai fait des économies. I'm not sure of this shotgun. Huh? I take back mine. He's more powerful. I can hold more ammo. Where or hold? I don't know in English. Je peux transporter plus de balles. Je vais prendre celui-là. Hein. Voilà. Ah, j'ai pas le choix. Hein. It's more expensive here than in the office, but I have to heal myself. Okay. And here. Allez, here we go. And three times the game's frozen. It's crazy, three times I have to reload. Mira! Arrête-toi! Mira! No, I wanted to go on the right to loot. And I cannot because of cinematic again. Ah, this game makes me crazy. Sorry, I complain too much, but really.
Et merde. Encore? J'ai pas le temps pour ça. Ah, ok. Battle. Non, non, non. Why I cannot pass here? My God. Their place. Putain. Putain. Ouh, loulou. About how many hours into this game are you? Oh, I don't know, but too much. Too much. I lose too much hours of my life with this shit game. No, I don't know. I have to check. 35. J'ai pas le temps pour ça. But I take my time, always. I look, I speak. I'm looking and speaking at the same time. So. I'm not a speedrunner, as you can see. Come. I can stab you normally. I bought the capacity to stab here. But never it worked. Ah, here, finally. Okay. Je vais prendre mon temps, hein. Une trousse de premier secours. Ok. Ah oui, je dois changer à nouveau le pompe. Merde. Pardon, hein. Excusez-moi. Voilà. Je peux pas celui-là. Non, je veux pas celui-là, putain. Fusil à cadencier. Fusil à double canon. Fusil à cadencier. Putain, mais je suis complètement con ou... Ah, ok. Voilà. Voilà. I cannot see me. Je vais mettre les boutrolles là. Non, putain, mais it was okay. Je pouvais le tuer là. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Sorry if I yell. Non mais ce jeu me rend dingue là. Ah, j'avais pas vu.
I didn't see. Where is he? Allez, come. No, in the... Putain, you see, I shoot on the good thing and it don't work. Make me crazy this game, really. Voilà. Sometimes it explodes, sometimes not. Or... It's not fair. C'est injuste. Vous avez vu, des fois le bidon il explose, des fois il explose pas. Je lui tire dessus, mais ça lui touche la main, donc ça ne touche pas le bidon. Enfin bon, les collisions, il y a vraiment un problème avec ce putain de jeu. Je suis désolé d'être vulgaire, mais là ça me saoule. Bon, on arrive bientôt à la fin. Hein. Donc tant mieux. Mais il m'aura rendu fou. Hein. Rendu fou ce jeu. Elle est là. She's here. Ah non. And we have to kill them, you know, it's completely, we don't know why, it's like that. It's blocked. If you don't kill them, this don't disappear. Okay. Shit rules. I come. When I don't want to come, he will come and... Man... He don't explode this time, I don't know why. Sometimes it works, sometimes it don't work. No idea. Mm-mm. I shoot on him, don't work. Okay, why not? Sometimes you reload, sometimes you don't reload. And the collision, and the camera, and we don't know where we are. La 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 la. And I will die here. Now it's finished. Cannot run. Maybe I can have some ammo here. I'm not sure. It's unfair, Jetso. And this.
All these books are empty. Yeah, thank you. It's like the game say go fuck yourself. And I don't shoot, I know this wood, don't let me eat it. You know how it looks like? It looks like as the first enemy in a game. But sadly we are at the end of the game. Not dead, so it's me. Last hope here, and it's empty. So why? Okay, take care of you too. Thanks, thank you. J'ai ramassé un truc là. Balle de fusil de précision, ça peut nous sauver la mise. Dead? Oh my god. Il est mort. Pitié, faites que ce soit le dernier. Bon bah j'ai récupéré. Enfin je peux reparler français maintenant que notre ami Sean est parti. C'est peut-être Sean qui nous porte la poisse, hein. Maintenant je peux vous le dire, hein, maintenant qu'il est parti. L'enfoiré. Mira! Mira! Où vas-tu? Where are you going, Mira? Lui faire du mal? Je ne ferai jamais ça. Je l'aime. Je l'aime, sauf que c'est un amour un petit peu spécial. Je suis la seule à en être capable. Sébastien, je t'ai dit de partir. Eh, tu me parles sur un autre ton, là, Mira. Mirabelle. Bah d'accord. Eh bah d'accord. Bravo. Baissez un peu le son du jeu hein, parce que on m'entend. Sorry. Pardon. Avec ma cigarette j'avale de l'air, parfois ça me fait tousser. Allez,
cette fin de jeu, je le finis parce que je le stream, hein, c'est très laborieux. Hein. Et je suis vraiment un amateur de Survival Horror, là on est dans du Call of Duty. Pas très intéressant. Avec ces monstres qui se ressemblent tous, le bestiaire, il y a quoi, il y a quatre ennemis. Ils tombent. C'est une mauvaise copie du premier. Bon, là c'est joli par contre. Là, j'ai rien à te dire. Je ne la laisserai pas prendre Lily. On se croirait même dans Uncharted. Allez. C'est la fin là, bientôt, je pense. Alors finalement, peut-être que je me suis spoilé mal et que c'est très bien. J'ai cru qu'il y avait 17 chapitres alors que non. Est-ce que c'est... notre maison. Quoi, là-haut, là? Bah, elle y est forcément. Faut... je peux plus reculer. Faut avoir un facteur courageux, quoi. Allez, chapitre 16. Hein. J'ai reçu un trophée me disant que j'avais joué exceptionnellement bien, malgré la difficulté. Rentrez chez vous. Bah oui, mais c'est ce que je ne cesse de dire aux gens dans la rue. Rentrez chez vous. Oh, on peut plaisanter. Ils ont baissé leur garde. Union fonctionne tellement bien qu'ils ont relâché la surveillance. C'est maintenant ou jamais. On devrait pouvoir libérer Lily avant même qu'ils ne repèrent notre présence. Dès qu'elle sera sortie, elles nous seront invisibles. Vous en êtes certain, Théodore? Quelqu'un d'aussi haut placé que vous, si vous vous faites attraper... J'ai pris ma décision, Kidman. Je ne peux plus rester sans rien faire pendant qu'ils exploitent cette pauvre petite à des fins personnelles. Ce salaud savait ce qu'il faisait avant même de venir ici. Ouais, ça m'en a tout l'air. Bon, eh bien, je sais pas, je pense qu'il faut aller par là, de toute façon. On n'a pas énormément le choix. Ah oui, bah oui, si c'est notre maison. Si c'est notre maison. Esmeralda est à Union et elle attend les ordres. Allons-y, Mira. Faut avoir un facteur très en forme. Je peux pas me soigner, pardon. Une fois que vous deviendrez le noyau, vous... Je sais. Mais si je n'essaie pas, ils traqueront Lily et l'enfermeront de nouveau. Je ne les laisserai pas faire. Promettez-moi de conduire Lily auprès de Sébastien quand tout ceci sera fini. Je vous le promets, Mira. Mon Dieu. Alors, au revoir. Mais c'est... Mira avait l'intention de devenir le noyau. Mais pourquoi? Je vous cache pas que j'ai complètement décroché de l'histoire. Maintenant, ma femme voulait être Lily. On est dans un survival horror, mais on se retrouve dans un truc qui n'a ni queue ni tête. Vraiment, et pourtant, j'aime encenser les jeux, mais là, je suis obligé de l'avouer. Hein. C'est donc comme ça que c'est arrivé. Que cet endroit a commencé à s'effondrer. Au secours! Bon, ça c'est sympa par contre. Qu'on soit... qu'on revienne comme ça... C'est sympa. Bon là c'est la fête à la saucisse, ils nous donnent tout. Hein.
Par contre, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie. Je préfère sauvegarder. Alors, le chat, il y a plus de diapo, hein, c'est terminé. Ce qui est idiot, parce qu'on pourrait très bien avoir envie de la regarder maintenant. Oui, mais en même temps, Kidman ne pourrait plus nous parler. Enfin, il y aurait forcément une couille comme ça. Je ne sais pas quoi construire comme armement. Voilà, c'est ça. C'est que je ne sais pas quel type d'ennemi je vais avoir. J'ai 6000. Hein. On peut faire quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est qu'on ne sait pas. Là, je pense qu'il va y avoir un boss, évidemment. Si ce n'est le boss final. Mais je sais pas. Comment puis-je vous aider, inspecteur ? Bah déjà Tatania en me donnant une clé peut-être. Non mais oui, on sait, je sais que ça va être le boss final, mais voilà, qu'est-ce que je construis ? Des balles de sniper, du fusil à pompe ? Est-ce que c'est un ennemi de loin, de près ? Enfin, donc je vais faire une sauvegarde juste avant et puis on verra bien. J'ai 6000. Encore moins de recul lors des tirs. Non, non, la vie. Putain, c'est 7000, il me manque exactement 50. Ils le font exprès, hein. C'est pas possible. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour me faire chier, quoi. Maintenant je le sais. T'es sûr? Je suis sûr que il regarde combien t'as et il change le prix dès que tu rentres dans le menu. Il a 7000, mets-le à 6699. Ah mon dieu. Je me suis acheté des trucs qui m'ont servi à rien. La furtivité, du coup, bon bah, je crois que la furtivité, on peut se la mettre dans les fesses. Non, on aurait bien voulu faire un peu de récup. Ah, peut-être celui-ci. 5000. Deuxième chance. Utilisez automatiquement une seringue lorsque vous subissez des dégâts importants. Ne fonctionne pas pour toutes les attaques. Ah bah oui. Voilà. Bon. Ok, qu'est-ce que tu as à nous dire avant qu'on finisse le jeu ? J'ai bien peur de vous aider pour la dernière fois. Voilà. Je sens que la fin approche. Moi aussi. Vous avez été là pour moi pendant tout ce temps. Les deux fois. Peut-être suis-je avec vous depuis plus longtemps que ça. Comment ça ? Qui êtes-vous ? Je suis celle que j'ai toujours été. Et que je serai toujours. Oui. Je suis celle vers qui vous vous tournez quand vous puisez dans vos ressources. Oui, donc qui ? Et vous avez besoin de moi maintenant, plus que jamais. Et quand tout ça sera fini ? Ah, il lui demande pas qui c'est. Quand tout sera fini, vous n'aurez plus besoin de moi. Parce que ce sera fini ? Ou parce que je serai mort ? La réponse à ces deux questions est la même. Maintenant, préparez-vous. Oh mon dieu, arrêtez de me prendre pour un con, j'ai 41 ans. Il lui demande même pas qui elle est. Enfin, oh là là, bon, on fait quoi ? On prend du shotgun, hein ? Nous a jamais déçu le shotgun. Ce sont les balles de précision, on peut en faire combien? On peut en faire 3. Ou carreau explosif. Hein. On peut en faire que 2. Hein. Attention. Pas se tromper. Ah, on peut en faire 5, allez. Et on se fait un carreau explosif et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, il a fait une sauvegarde. Bon, allez. Il n'y a pas 50 qui traînent, là? Bah, de toute façon, on a déjà acheté quelque chose d'autre. Ah, mon Dieu. Attention, Dieu. Allez, la maison en haut de la colline. Non, puis ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu éthéré, mais ça aurait pu complètement fonctionner. Hein. Les graphismes sont là, c'est juste que bah, les scénaristes sont un chier. Pardon, mais sont un chier. Pas d'autres mots, quoi. Le Théodore, là, le mec de la secte, le serial killer merdique, ma femme qui sort de je ne sais où. Mais qu'est-ce que vous croyez faire, Mira ? Oh, Olivier, casse-toi. Je te retrouverai, c'est promis. Mais qu'est-ce que vous croyez faire, Mira ? Ce que je fais, je protège ma fille. Espèce d'idiote, elle commande un tel pouvoir, vous ne comprenez pas. Non. Pas ce dont je suis capable pour sa sécurité. Non ! Non ! Soyez maudite, Mira ! Vous ne pouvez pas m'échapper !
Ah, ça coûte moins cher qu'une cinématique, hein, de mettre un petit hologramme avec un mec qui double mal. On aura quand même réussi à avoir 22 dossiers sur 24, ce qui est pas trop mal. Hein. La musique est un peu forte, j'espère qu'on m'entend quand même. J'ai rapproché un peu le micro là. Bon. Ok, je recharge tout, hein. Me fais pas baiser cette fois. Voilà, allez hop. Bon allez Mira. Mirabelle. J'ai hâte de le finir. Je vous cache pas que j'en ai ras le cul. Est-ce que c'est bien toi? Non, c'est pas moi. J'étais bien nu. Sébastien. Pourquoi est-ce que tu t'opposes à moi, Mira? Tu ne peux pas comprendre. Oui, si tu m'expliques, ceci t'inquiète, je vais comprendre, je suis pas con. Lily sera en sécurité ici. Heureuse. Loin de toute peur. Loin de la douleur. Non, Mira. Ce n'est pas la réalité. La douleur fait partie de la vie. Tout comme l'amour. Mon si Dieu. Elle reste ici, elle ne connaîtra pas la peur, c'est vrai. Mais c'est parce qu'elle ne vivra rien du tout. Tu ne comprends pas. Ils lui ont fait de telles choses. Moi, je peux la protéger. Non. On est censé chialer, là. Laisse-moi la sortir d'ici. Faisons-le ensemble. Nous pouvons encore former une famille. Non, je ne laisserai plus personne me l'enlever. Ouais, voilà, se transforme en monstre. Comme c'est original. Mira, écoute-moi. Nous avons encore le temps. Nous pouvons partir. Je ne laisserai pas Lily ici. Je t'en prie. Non, mais ils essayent vraiment en plus de nous faire chialer, enfin, genre la musique, tout. Quoi. Devront mourir. Arrête, ne pense pas à faire ça. C'est une insulte à l'intelligence un petit peu même là. Hein. Là on touche le fond. Là. Ah bah voilà Mira. Tu vois qu'il fallait être plus gentil. Oui mais du coup ça va la transformer en quelque chose de beaucoup plus gros et beaucoup plus monstrueux. Quand on lui tire dessus, ça la rend plus forte. Allez, pour qu'on en finisse. J'espère que je vais pas galérer sur le dernier boss. Comme j'ai galéré sur Liam avec son lance-flamme, ça nous a pris une heure. Ah voilà. C'est pas beau. Mon Dieu. Mais il est bien fait. Tu m'as fait du mal. Tu lui feras du mal aussi. Je t'en empêcherai. Mon sang, Mira, arrête! Non, c'est ce que tu es en train de faire. Non, c'est même pas si on la touche. Donne des trucs. Hein.
n'arrive pas à faire ça. Soigner là. Putain mais. C'est tout ce que tu mérites. Quoi? Merde. J'ai plus de balles. Il n'y a plus de balles. Ah, s'il m'en donne ici. Tu refusais de m'écouter. Putain, mais je me fais à chaque fois baiser par. Avec ça. Allez, allez, non mais... Putain, mais c'est pas possible. Mais merde, j'ai pas vu qu'il y en avait encore. Il est où ? Ça. Sur des carreaux explosifs. Fusil de précision. Putain, mais... faire là.
ne peux pas m'échapper. Putain. J'ai pas envie de crever là, hein. Ça me fait chier. Je vais pas vous mentir. C'est pour faire une balle, j'en ai rien à branler. Putain. Je vais crever là, comme un con. Laisse-nous. Putain, il recharge, j'y crois pas. Mais merde! Putain, mais il recharge à chaque fois, j'y crois pas. Voilà, je suis mort. Elle va le faire enculer, le jeu. Mais c'est pas vrai. Et quoi, il va falloir tout refaire. Super agaçant. Super agaçant. Ne peux pas la prendre. Bon, ça va, il y a un checkpoint. J'ai aucune envie de faire ça. Ah putain. Ah putain. Ah
Oh là là, ça me saoule, hein. Pas vous mentir, mais... Si l'histoire était géniale et tout, j'aurais envie de le battre et tout, mais là, c'est ma femme, elle s'est transformée en monstre, ça n'a ni queue ni tête, c'est... Je la tue, et puis... Ne fais pas. On va passer à Judgment. Je n'ai aucune envie de faire ça. Eh putain, je vise comme une buse. Hein. Ouais, mais là je me fais prendre en boucle. J'arrive pas à l'avoir. Hein. Je le touche jamais, hein. Limite, si je tirais à côté, peut-être que ça marcherait mieux. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, merde. Va te faire enculer. Excusez-moi, je deviens vulgaire, mais ça me manque. Ça m'énerve, ça m'agace. J'en ai fait hein, des jeux vidéo, hein. J'en ai battu des boss. Mais alors celui-ci me gonfle. Le jeu m'agace, voilà, c'est ça. Je suis désolé, hein, c'est pas très agréable à suivre, j'imagine. Hein. Mais je vais faire mon Hooper. Là, je me suis fait toucher pourquoi? Bon, moi je veux bien. Là je l'ai eu. Mais après, j'ai pas de soins, je peux pas me soigner, j'ai rien. Je comprends pas le... Pas, ça doit être moi qui doit être complètement con, qui joue mal, certainement. Hein. Ne peux pas la prendre. Je n'ai aucune envie de faire ça. Alors je sais que si je maîtrise bien en snipe,
J'essaye d'aller un petit peu à la bourrin parce que ça me gonfle. Je vous assure que je lâche tout, que j'appuie là pour prendre le gun. Ça ne le prend pas en compte. Comme plein de fois, j'appuie là, ici, pour aller dans l'inventaire, et ça ne le prend pas en compte. C'est pas de... Vraiment, c'est... pendant tout le jeu, ça me l'a fait. Il faut appuyer vraiment comme un con. Il y a un temps de... Là on le touche hein. Et là on se barre hein, parce que bah voilà, bon, je peux rien faire là. Je me fais enchaîner. Bon, allez vas-y tue-moi là, je balance la manette contre le mur et puis on va. C'est... C'est quoi, c'est... Je vais faire mon rage quit. Non mais on va le tuer. On va le tuer mais... quelle déception ce boss final qui ressemble à un monstre de Resident Evil, genre dans Resident Evil 6 quoi. La prendre. Je n'ai aucune envie de. Et puis à chaque fois de me taper, tu ne peux pas la prendre. Ils se doutent pas que quand on meurt, on se retape tout à chaque fois. Oh putain, je suis naze hein, aussi. Je cours parce qu'il faut courir. Non mais de toute façon j'ai plus de balles. S'il me tue aussitôt, ça va pas le faire. Non, j'ai couru. Déjà, si avec le sniper, j'arrive à le toucher. Ne peux pas la prendre. Je n'ai aucune envie de faire ça. Non. Faut que j'aille vite, hein. Non, là, je peux pas. Je commence à tifter le truc, mais... Là,
Là, je peux vraiment rien upgrader, rien faire, quoi. C'est dramatique. Il m'a tué. Oh là 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 là. En fait, après la troisième phase, il met un coup de poing et aussitôt il attaque. Mon Dieu. Mon Dieu. Ne peux pas. Dans le descriptif, je mettrais de passer directement à la fin. Je n'ai aucune envie de faire ça. Ça sert à rien que je fasse ça, j'ai perdu des balles pour rien. Non mais là pourquoi? Allez, la vie remonte là. Allez, cours, cours.
Allez, cours, cours. Mais j'ai même pas le temps de me relever. Ah, je pense que c'est un boss qu'on peut avoir très rapidement. Mais je sais pas jouer, quoi. J'y arrive pas. Je vais faire au flingue et puis après je vais essayer de l'avoir. Je n'ai aucune envie de faire ça. Bar. Mais non, mais... Ah, on était déjà à la deuxième phase, pardon. On peut passer derrière. Bah évidemment non, il y a un mur invisible. Hein ? Le petit mur invisible sympathique, comme dans tous les jeux de merde. Oui, c'est du sous Resident Evil. Elle va encore me répéter « Non, je ne veux pas. Non, ta ta ta. » Tu deviens dingue. Ne peux pas la prendre. Je n'ai aucune envie. Comment ils font en speedrun, là? Ils évitent le truc, ils font le snipe direct. Ouais, bah, moi, je suis pas, hein. Putain, et à chaque fois il me fait ce truc là. Putain, et je me fais quand même toucher. Ouais, va te faire enculer. Combien on peut en faire Ouais, mais je vais le louper, donc je préfère prendre des balles. Hein. Thank you.
Ah putain, mais comment tu veux l'éviter celui-ci? Je me souvenais même plus que j'avais un carreau explosif. Faire quoi là? Ouais, ça fait 2h30 qu'on est dessus. Je vais essayer de le faire au snipe. Mon dieu. Ça faisait longtemps que j'avais pas galéré autant sur un boss. Je n'ai aucune envie de faire ça. Pourtant, il m'a pas l'air compliqué en plus. J'ai les mains moites. J'ai le slip humide. Ne peux pas la prendre. Allez, bon, maintenant c'est de la rigolade. Je veux dire, maintenant. Envie de faire ça. Comment voulez-vous qu'on apprécie la fin du jeu là, quand on galère comme ça? J'arrive pas, ça bouge de trop. Non, mais pourquoi il me touche là? J'arrive pas à le gérer son. Allez, casse-toi. Je ne peux même pas me relever. Sébastien se relève à peine qu'il se reprend un coup. Ça ne donne aucune chance. Je suis le seul à avoir galéré. Là. Je vais regarder sur YouTube, c'est pas possible. Les mecs en speedrun, ils te finissent en 10 secondes. Ne peux pas la prendre. Je n'ai aucune envie de faire ça. Ça l'a touché au moins. Ouais, j'ai l'impression. Allez, je peux pas te toucher là.
pas combien il y en a là. Allez putain. C'est sûr qu'avec les balles de fusil de précision ça serait mieux, mais j'ai pas vraiment le choix. J'aurais dû faire des balles de shotgun. Allez, c'est bon, on va te faire enculer. C'est qui le patron? Allez, les doigts dans le nez, hein. Les doigts dans le nez. Petit boss. Un peu déçu par le niveau du jeu. Les doigts dans le nez. La rigolade. Ah, dis donc. On s'en écrit au premier niveau. La rigolade. Alors je sais que la moyenne d'âge est de 35 ans des joueurs, mais quand même, ils pourraient relever un peu le niveau des boss, hein, quand même. Ah mon dieu, je suis pas mécontent de l'avoir passé ce truc là. Je sue de partout là, j'ai le froc trempé. J'espère qu'elle est morte. Oui, elle m'en a tout l'air. Elle m'en a tout l'air morte là. Ah mon dieu, on a passé une heure sur cette coquine. Hein, pour pas dire salope. Oh, on va avoir droit à une belle cinématique. Vous êtes gâtés. Il est 1h44 du matin. Vous êtes gâtés, je vous gâte. Et en plus, regardez, Bloodborne. Dites pas que vous êtes pas venu pour rien, s'il vous plaît. Oh là là, qu'est-ce qu'on a été gâtés ce soir. Une belle cinématique, là. J'ai les mains trempées. Ça fait une heure. Oh mon dieu. Lily? C'est Maria le nom de la mère, je sais plus. Tatania, c'est la nurse. Mira. Ah, Mira, pardon. Ouais. C'est dire que les personnages m'ont marqué. Oh là, bah Mira, j'ai l'impression que ça va marcher beaucoup moins bien là. Je sais pas ce que tu comptes faire avec elle, mais ça marche un peu moins bien là. Mais elle est toujours aussi belle, Mira, même dans la mort. Bah là on l'a speedrunné en 38 heures quoi. Il y a encore un peu de boulot. Voilà. Encore un peu de boulot. Mira. Ça va. Je t'en prie. C'est une première run.
première. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Ah bah moi non plus je voulais pas. Non. Je n'arrivais plus à me contrôler. Tu as fait ce qu'il fallait. Merci. Je suis soulagée que tu sois vivant. Tu dois le faire. Oui, c'est ça. Elle essaie de me tuer depuis une heure. Lilaine. Allez, je te pardonne. Emmène-la loin d'ici. C'est mon côté catholique. Je te pardonne. Je nous emmène tous loin d'ici. Allez. Perds pas espoir, Mira. C'est trop loin. Laisse-moi ici. Il faut... Occupe-toi de Lily. Laisse-moi. Non, je ne te quitterai plus jamais. Ouais, si ma gonzesse, elle essaie de me faire ça, moi, je veux dire, la question, elle est vite répondue, hein. La petite Mira est la première belle ordure. Hein. Vas-y. Quoi, ils vont s'embrasser quand même? Je vous rejoins. Il va y avoir du sexe. On se retrouve là-bas. Lily, elle a besoin de toi. Ah, j'ai eu peur. S'il te plaît, fais vite. Parce que déjà qu'il y a de la violence, alors si en plus il y a du sexe. Où on va les enfants? Hein? Je le demande. Bon, Lily, elle est où? J'ai passé plus de temps sur le boss du fin que sur tout le jeu. Mon dieu. Alors, la petite musique avec les petits pianos, au cas où vous ne le sauriez pas, je vous donne un indice. Il faut que j'en rejoigne la maison. C'est pour vous toucher et que vous ayez un petit peu envie de chialer. Bon, là, j'ai reçu un trophée, là, vous le voyez pas. Mais ça me dit que je suis un excellent joueur. Et que j'ai battu le boss en un temps record. En low run. C'est la première fois qu'on tue le boss en si longtemps. L'intitulé du trophée, c'était marqué « Tu le fais exprès ?» Mon dieu. Mira ? Elle a intérêt de ça, Jbira, je vais te dire après. Hein. Parce que je vais te dire, ça va voler vite. Hein. Je vais te dire, la vie à la maison, là, ça va filer doux. Hein. Parce que ta mère, elle m'a donné du fil Arthord. Ouh, ça va filer doux à la maison, tu vas voir après ça. Ça va faire ses devoirs. Hein. Ça va bouffer sa soupe. Nous avons rétabli le contact, monsieur. Où est-il? Impossible d'avoir une localisation exacte. Allez, faites-moi rêver avec une belle cinématique. Attendez, de fin, là. Le noyau est de nouveau visible. Le marqueur s'approche d'elle. Excellent. Indiquez au marqueur comment rétablir le noyau. Je déteste annoncer une mauvaise nouvelle, monsieur, mais il est trop tard. L'environnement a subi trop de dégâts. Même avec le noyau rétabli, la destruction totale du Nyon est imminente. Oh bah mince, alors. Qu'il en soit ainsi. Bah... Il nous reste le stem, nous pouvons tout recommencer. Mais nous avons besoin du noyau. Elle est trop précieuse pour tout abandonner. Que l'équipe médicale se prépare pour son extraction. Combien de temps faut-il? Tout dépend de sa rapidité à atteindre le point d'extraction. Ils sont quasi prêts, ça ne devrait plus être long. L'équipe médicale en place et en attente. Kidman va nous aider. Une fois l'extraction effectuée, que l'équipe médicale élimine le marqueur. Il a rempli son objectif. Elle va mettre de l'eau chaude dans notre baignoire. Merde. Kid, appelez votre homme et donnez-lui les instructions. Elle va pas le faire. Parce que elle nous aime en secret maintenant. Kid, vous m'avez entendu? Oui, j'ai entendu. Est-ce que je perçois de l'insubordination? Vous ne pouvez pas le tuer. Mais si, je peux. Et je vais le faire. Une fois revenu dans notre monde, il sera pour nous un handicap. Allez, vilain. Appelez-le et donnez-lui le point d'extraction. Oh, qu'est-ce qu'il est malfaisant, cet homme-là? On s'est fait chier. Allons, Kid. Il a signé son arrêt de mort au moment même où il est entré dans le stem. Alors, obéissez aux ordres ou vous signerez le vôtre. Quelle malveillance. Non.
Cette tentative de trahison est regrettable. Vous étiez si prometteuse. C'est pas ça. Non mais Kidman, elle va pas se faire baiser par deux flingues. Voilà. Voilà. Sauve-toi, Kidman. Te laisse pas faire. C'est ça de travailler avec des gens louches. Ah, on joue Kidman. Mon dieu. Ça met la vie. Quoi, je vais crever ici. On a quoi comme arme? Putain, j'arrive même pas à viser. Oh, c'est bon, ça va. Il spawn qu'une balle à chacun. Ah, on peut pas bouger, on peut rien faire, juste à part leur tirer dessus. Je recharge, je charge. Recharge, Kidman. Oui, c'est un ball trap là. Allez, monte à mousse. Mais putain, mais je joue même sur la fin là où il faut tirer sur un type, je n'y arrive pas. C'est pas possible. Je te jure, elle bouge toute seule, elle a la tremblote, Kidman. Elle a pas pris sa coke. Allez, monte ta gueule. Oui, le voyant, il bouge tout seul. Allez, oh, l'autre il se prend trois bastos, il est pas mort. Toutes mes confuses. Les puristes seront rectifiées en temps réel. Mon gameplay est défaillant. Ah, il y a une espèce de transposition de mise en scène. On joue l'un, on joue l'autre. Chambre à l'étage. Quelle folie. N'hésitez pas à me suivre hein, si vous voulez des expériences vidéoludiques aussi avant-gardistes. Hein. Chaque VOD est un... Chaque VOD est un rêve. Bon, là, si je suis pas trop con, c'est la chambre de Lily. Oui. T'es pas sûr. Oui, n'hésitez pas à me follow. Ou à regarder les VOD sur YouTube. Bosseron 14, c'est la même chose. Lily. Bon, on aura quand même récupéré ma Lily. Ma toute petite fille. Ma toute petite fille. Ma bataille. Ma fille, ma bataille. C'est moi, Lily. C'est papa. Je suis là. C'est vraiment toi? Chut. C'est bien moi. C'est papa. Je vais te ramener à la maison. C'est pas ici, la maison? Non. Non, Lily. Non, ma chérie. Mais nous y serons bientôt. Je suis fatiguée. Mais c'est normal. Rendors-toi. On va rentrer à la maison. Je vais te donner un yaourt. Ça ira mieux. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ma fille, ma bataille. Qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir encore un truc. Mira. Elle va se faire tirer dessus dans le dos, quelque chose comme ça. Un truc à la dégueulasse. Je l'ai trouvé. Viens, quittons cet enfer. Il va perdre sa femme. Pardon, Sébastien. Je ne peux pas. Bien sûr que tu peux. Je vous porterai toutes les deux s'il le faut. Non. Mais je... Si le monde est ton fardeau, je te porterai avec lui sur mes épaules. Rien à foutre de Mobius. Nous avons déjà perdu trop de temps. Nous pouvons partir tous les trois. Nous irons quelque part où ils ne nous trouveront jamais. Il n'y a nulle part où aller. Où ça? À Dunkerque? Ils sont partout. Lily sera toujours en danger. Sauf si je les détruis. Très bien, je t'attends. Dès que Mobius sera éliminé. Ça ne marche pas comme ça, Sébastien. On ne peut le faire que de l'intérieur. La cinématique qui dure 15 ans. Tout Mobius y est connecté grâce à des implants crâniens. Dès que j'aurai pris le pouvoir du noyau, je transmettrai un signal grâce auquel tout s'écroulera comme une ionne. Moi, je m'attendais à des explosions, de je sais pas. Capable de réduire une fois pour toutes Mobius à néant. Mais nous sommes enfin réunis. Oh là là, là le côté familial. C'est le plan depuis le début, il n'en a jamais été autrement.
À qui ça s'adresse, en fait? C'est ça que je me pose la question, comme question. À qui ça s'adresse, là, tout de suite? Qui chiale, là, en regardant ça? Juste, promets-moi de prendre soin de notre petite. Qu'elle n'oublie si vous chialez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Hein. Ça m'intéresse. Je vous appellerai. Je vous contacterai. J'ai encore tant de choses à te dire. Et ben voilà, du sexe. Ah ben bravo. La violence, le sexe. Tu n'as pas besoin de le dire. Je ne t'ai jamais quitté des yeux tout ce temps. Je sais combien tu as souffert, je sais ce qu'ils t'ont fait. Oh le pathos, mon Dieu, au secours. Tu n'as rien demandé de tout cela. Et tu as vécu l'enfer à deux reprises à cause de ça. Il est temps pour toi de partir. Ah ben oui, mais j'aimerais bien, mais arrête de me causer. Mira, sois raisonnable. Arrête de me causer. La vie qui t'a été volée. Ça n'en finira jamais. Ils vont se regarder dans le blanc des yeux, dans le blanc du cul pendant des heures et des heures. Avec la petite... tous les deux. Pardon. C'est pour vous que je fais tout ça. Je gâche un peu la fin, j'ai l'impression. Mais vous devez partir, tout de suite. Comme une petite impression de gâcher un peu la fin du film. Non mais oh, réveille-toi Sébastien, merde, t'es espagnol. Tu vas pas te laisser baiser comme ça par des émotions. Allez, prends ta... Ah c'est pas fini, il y a encore du shotgun. Et bon, c'est bon, là maintenant j'ai compris. Hein. Ça y est, on l'a bloqué, pas de quartier. Ça y est, on l'a bloqué, pas de quartier. Elle m'a eu. Elle m'a eu. Le mec il dit ça après s'être pris une balle dans le cortex. Je crois qu'elle m'a eu là. Là elle m'a eu là. Je me sens. J'ai la tête qui tourne. Un peu de. Je me sens pris de vertige là patron, j'ai la moitié du cerveau par terre. Bon allez, vas-y là, c'est ridicule là. Alors les mecs, je veux dire, je sais pas où vous étiez entraînés, mais se faire flinguer par une nana comme ça, à 20 mètres. Pardon, pas de misogynie primaire. Ah, après, les gens vont encore se plaindre sur Twitter. Je vais encore recevoir des avertissements. Alors que vous savez très bien que je pense pas un temps et que je suis un progressiste. Pas de fou. Oh bah bute les scientifiques comme ça. Ça se trouve c'était l'homme de ménage. Il était là pour faire le ménage. Kidman elle a rien à branler maintenant. Allez, tout le monde sort des baignoires là, c'est fini le bain. Excusez-moi, c'est la pression qui redescend. Hein. Une heure de fight, c'était chiant. Hein. C'est chiantissime. Allez Kidman. Vide la baignoire. Vous ne provoquerez rien d'autre que votre mort. Vous devez bien le savoir. Vous aviez du potentiel. Vous auriez pu accumuler un tel pouvoir. Qu'est-ce qui cause, lui, hein ? Et vous choisissez maintenant de tout lâcher. Il a un petit côté du mec d'Half-Life 2. Après tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez fait, pourquoi cette crise de conscience soudaine ? C'est pour l'inspecteur. Pour la gamine. Non, c'est l'éthique, non. Monsieur. C'est pour moi. Bien répondu. Réfléchissez bien, Kate. L'humanité a besoin du STEM. Imaginez. Une conscience unifiée pour toute l'humanité. La fin des conflits. La fin des disparités. La fin de la douleur. La fin des disparités. Oh mon Dieu, le nanar. Je tiens à préciser que je suis fan hein, du premier. Hein. Là, c'est un nanar comme j'en ai jamais joué. Hein. Fantastique. Même Resident Evil 6 à côté, il tient du Shakespeare. Là, ils ont brisé tous les tabous, tous les codes. Kidman, je l'ai. Où est-ce que je dois aller maintenant? Dans votre salle. D'accord. De merde.
Mais Mira va rester ici. Vous savez pourquoi? Ok. Nous avons peu de temps. Je compte sur vous, Kidman. Là, ils vont nous faire le coup à la Uncharted où on peut pas avancer vite dans la neige. Ah, on peut avancer un peu vite. J'ai été mauvaise langue. T'inquiète pas, Lily. On y est presque. L'anglisse? Non. Allez, Lily. Tiens fort, papa. Oh non. Alors, là, je... Bon, je vous allais dire que je gâche encore la fin du jeu, mais là... Suspense zéro, hein. J'appuie vers le haut du stick. Oh mon dieu, j'espère qu'on va arriver à la lumière blanche. Il faut pas que je me trompe de route. Mais je l'ai bien... J'étais à l'œil, la route. Attends, je fais le con, mais il y a peut-être quand même un chemin à prendre. Vous entendez cette montée de violon, là? Vous l'avez pas, le frisson, là? Le frisson des derniers mètres? On sera bientôt à la maison. Accroche-toi. Il n'est pas trop tard pour tout arrêter, Kidman. Coopérer. Ah. Je vous promets une mort. Sinon, la punition pour votre trahison sera légendaire. Oh bah oui. Je suis sûr qu'on se souviendra de moi. Mais ce sera pour vous avoir anéanti. Personne ne rêve d'un monde dénué de choix. Une ruche mentale ne fonctionne que si une reine est aux commandes. Rejoignez-nous ou mourrez. Vous savez quoi? Il y a une autre option. Et c'est d'aller vous faire mettre. Vous êtes stupide! Mais je vous aime bien. Quel dommage de vous perdre en de telles conditions, Kid. Oh là 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 là. Quoi? Vous pensiez vraiment que je n'avais pas prévu ça? C'est un nanar qui dure sans fin. J'ai serré ma cuisse il y a 3 jours. Peu importe. Vous mourrez aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Va prendre un flingue pour la tuer. Qu'est-ce que tu... Ça fait une heure que tu lui parles derrière d'une vitre. C'est toi le président du truc, mais on comprend pourquoi ça fonctionne pas. Hey, Sébastien. On comprend que les baignoires, elles fonctionnent pas. Ils ont mis tout le budget dans le finish, là. Il y a 40 minutes de cinématique. Ah, on a reçu un message. Pardon. Il va peut-être falloir que je joue, parce que des fois, on joue. Non, je... Lily, reste là, papa va réparer le sol. Papa va réparer le parquet. Non mais ils auraient pu faire ça en 5 minutes, vachement bien en plus. Mais ils te mettent 140 minutes de nanar. Je vous aime tous les deux. Moi aussi, bien. Tu vas pas me manquer, hein. Pardon, non, mais... Tu es en sécurité. Ah, tu vas pas me manquer, Mira. Non, non, non. Système connecté au manque de Mobius, prêt pour la passe finale. La suite ne dépend que... On n'a même pas le temps de le lire. Je le savais. Non, je te jure. Et pourtant, enfin, je te jure, je vous jure. Un petit peu de politesse quand même, que diable. J'ai pas le temps de lire. Mais pourtant, je suis quelqu'un qui lit vite. Hein. Quand vous voulez, on se fait... Je vous verrai, je lis très vite. Bon, ça y est, les baignoires sont déconnectées. Le dernier frisson. J'ai
sont tous morts. Qu'est-ce qui c'est? Ah, parce qu'ils ont des puces. Ah, oh, bah. Ils s'étaient eux-mêmes mis les puces. C'est une leçon de vie. Du calme, Sébastien. Vous êtes en sécurité. Lily. Où est Lily? Elle sort de la baignoire. Bah, elle est dans l'autre baignoire, normalement. On va sortir de là. Mettez-vous là. À part dans les jeux de Kojima, j'ai jamais vu une cinématique de feu aussi longue. Pour rien. Non, non, mais dans Kojima, c'est bien. C'est très très bien, pardon. Mais là, pour rien, quoi. On s'est déconnecté du feu. Des gens qui le font deux fois le jeu. Les gens sont si en sont là quoi. Il faut les sauver, faut leur donner d'autres jeux, faut faire une collecte. Faut les contacter. Papa, c'est bien toi. Oui ma chérie, c'est bien moi. Oui c'est moi, c'est Popo. J'ai fait un cauchemar. Oui. Chut. Je sais. C'est fini. Mais c'est fini. Le cauchemar est fini. Tu n'as plus rien à craindre. C'est vraiment fini. Je ne suis pas à l'intérieur. En train de rêver tout ça. C'est réellement terminé. Allez, c'est bien. Grâce à Mira. Elle est pas belle en tout cas, Lily. Quittons cet endroit. Devrait pas le dire, mais bon. Je serais lui, je ferais quand même un petit test ADN parce que. La ressemblance est pas frappante. Eh bien, je crois qu'on y arrive enfin. Voilà, on éteint les loupiottes. Donc c'était The Evil Within 2. Bethesda, merci. Merci d'avoir fracassé la franchise. En seulement une seule suite. Non, très déçu, évidemment. Je baisse un peu la musique. Gameplay, très très bon gameplay. Évidemment, mais bon, gameplay repris du premier volet. Donc aucune nouveauté, les mêmes armes, artistiquement très très faiblard, beaucoup moins de bonnes idées par rapport au premier qui était génial, la mise en scène ridicule, les environnements basiques, des hôpitaux, le laboratoire, enfin vraiment pas du tout dans l'esprit de Evil Within. Et puis bah, malheureusement l'écriture, les dialogues, le stem, Mobius, le serial killer qui est le monde ouvert qui aurait pu être intéressant mais qui ne l'est pas et qui en est pas un en plus, bah c'est un nanar, voilà, c'est un nanar. Et là moi, là où je me pose plein de questions, c'est de savoir pourquoi il est mieux noté. Alors peut-être parce qu'il a touché un plus large public, il est mieux noté que le premier quoi. Alors que le premier est vraiment génial. Je sais pas, ça là c'est un mystère. Je crois que les gens sont cons. On m'a soufflé l'autre jour, on m'a chuchoté sur Twitch. Les gens, je crois que les gens sont cons. La première fois j'ai lu la phrase, je me suis dit, bon, oh, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je l'ai relu et puis après je me suis dit, oui, il a raison. Les gens sont cons. Donc voilà, en 23 parties, hein, 38 heures quand même. On a pris notre temps, hein, on a fait beaucoup de missions secondaires. The Evil Within 2, que j'avais tenté de faire il y a 4 ans, et que j'avais revendu aussitôt.
Et ben aujourd'hui, je sais pourquoi. Mais l'ayant streamé, bon, j'ai quand même voulu aller jusqu'au bout du bout. Et ben, nous l'avons fait, je suis content, je me suis forcé quand même. Hein. Là, je vais pas vous mentir, j'aurais bien pété la PlayStation en deux, là. Mais bon, à 41 ans, on est plus sage, on prend sur soi. Donc je ne l'ai point fait. J'ai hâte de continuer en parallèle le stream que je fais sur Judgment, qui est toute autre qualité. Hein. Je vous invite à suivre Judgment, qui est bien plus amusant, même à commenter, et qui est une véritable histoire. C'est un vrai thriller, c'est très très bon, c'est du très haut niveau. Donc je vais m'arrêter là, je vais pas laisser tout le générique. Je vous embrasse, merci à ceux qui m'ont suivi. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Bosseron14 et sur Teach, évidemment, Bosseron14. Et n'hésitez pas à me suivre, mettre la cloche, enfin faites comme vous voulez, essayez d'être heureux et puis que cette année vous soit libératrice pour vous aussi. Je vous embrasse fort, à bientôt.